La famille de Jacques Perrin a annoncé son décès dans les médias. Jeudi 21 avril, le réalisateur et acteur emblématique nous a quittés. La famille a l'immense tristesse de vous informer de la disparition du cinéaste Jacques Perrin, mort à Paris. Il s'est éteint paisiblement à l'âge de 80 ans. L'acteur est connu par les plus jeunes pour son rôle dans Les Choristes, réalisé en 2004 par son neveu Christophe Baratier. Jacques Perrin laisse derrière lui trois enfants, dont Maxence, qui était également apparu dans le célèbre film qui avait révélé, entre autres, l'acteur Jean-Baptiste Monnier. Né en 1995, Maxence Perrin a fait ses premiers pas aux côtés de son père et de son cousin, avant d'avoir plusieurs rôles. En 2015, il a partagé l'écran avec Michel Larocque dans Un fils, un téléfilm diffusé sur France 2, dans lequel il interprète un jeune homme accusé de viol. Il a également été vu dans À cause des filles, sorti en 2019 au cinéma. Le petit frère de Maxence, Lancelot, est né en 1999. Le jeune homme a également pu compter sur son père pour faire ses premiers pas au cinéma dans le film Océan, dont il est le réalisateur. Son frère et lui se font très discrets sur les réseaux sociaux. Maxence et Lancelot ne sont pas les premiers enfants de Jacques Perrin. Les deux jeunes hommes ont de nombreuses années d'écart avec leur frère aîné Mathieu Simonet, né en 1975. Également acteur et réalisateur, Mathieu Simonet a fait ses premiers pas devant la caméra en apparaissant dans La poursuite du temps, une mini-série sortie en 1997. Quelques années plus tard, Mathieu Simonet, qui est le seul à avoir pris le vrai nom de son père, a collaboré avec celui-ci comme photographe pour plusieurs projets, dont Le peuple migrateur et Océan. Âgé de 46 ans, le fils de l'acteur est passionné de photographie et poste régulièrement ses photos de paysages sur son profil Instagram, sur lequel on le voit très peu, voire pas du tout.